Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais hier, je vous présente aujourd'hui une propriété de Saint-Estèphe, une toute nouvelle référence du Lys Casabonne que l'on distribue en exclusivité. Il s'agit des Fiefs de La Haye. C'est le second vin du Château de La Haye. Château de La Haye, une assez ancienne propriété qui date du XVIe siècle. La légende raconte que c'était un relais de chasse où se retrouvaient Henri II et Diane de Poitiers, d'où le monogramme avec le H et le D qui sont entrecroisés que vous retrouvez sur l'ensemble des étiquettes de la propriété. La propriété a été rachetée en 2012 par un homme d'affaires belge, Chris Carden, qui était tombé amoureux du Médoc en ayant couru le marathon du Médoc. Après plusieurs rachats successifs de différentes propriétés prestigieuses aux alentours, autour de la propriété, maintenant le vignoble fait 27 hectares. Les vignes ont entre 30 et 40 ans d'âge et le vignoble est conseillé par l'œnologue célèbre Éric Boisseneau, qui conseille par ailleurs tous les premiers crus classés du Médoc et énormément d'autres propriétés prestigieuses. Saint-Estèphe, c'est la première fois que nous allons dans cette appellation depuis le début du confinement. Il s'agit de l'appellation communale la plus au nord au Médoc. Elle est séparée de Pauillac par un simple ruisseau et les vignes de Saint-Estèphe sont plantées sur un plateau qui domine la Gironde. Les graves sont légèrement plus argileuses que dans les appellations plus méridionales du Médoc. Et je pourrais dire que c'est une des AOC avec le moins de pluviométrie de toute la presqu'île médocaine et avec la maturation la plus précoce de la presqu'île. Et tout cet ensemble de conditions climatiques et de sol donne aux vins un caractère beaucoup plus solide dans leur jeune âge et une très grande aptitude à la garde. Nous dégustons aujourd'hui le millésime 2016 du Fief de La Haye. C'est un millésime qu'on a déjà beaucoup évoqué dans de précédentes vidéos, un très grand millésime à Bordeaux, que je ne détaillerai pas davantage. On est sur une robe très sombre, très intense, couleur rubis avec même des reflets noirs. Un bouquet déjà très riche, assez soutenu. Des notes de fruits très mûrs, beaucoup de cassis. On a quand même quelques belles notes de violette aussi qui sont apportées majoritairement par le merlot. Une structure très puissante, un vin gourmand, on ressent encore les fruits qui sont vraiment très présents, qui vous couvrent le palais intégralement. Les tanins sont extrêmement fondus, ça s'explique aussi par l'élevage du vin qui a été fait à 100% en barrique. En revanche, uniquement des barriques de 1 vin, 2 vins et 3 vins, aucune barrique neuve. On a une très belle harmonie en fait du vin entre les fruits et les tanins, vraiment jusqu'au bout de la finale. Et là, je l'ai encore en bouche, c'est assez impressionnant. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation. Au revoir.